Donc là j'interviens chez un particulier, donc je suis en dépannage parce que son installation est à l'arrêt. Donc le problème il le connaît, hein. sa machine ici là, lui indique, la pression est trop basse et son souci c'est qu'il ne peut plus remplir son réseau. Donc on voit que l'installation a l'air d'être neuve, elle a moins d'un an. Et je travaille pour une entreprise qui fait du particulier et du petit tertiaire, en gros. Et donc cette entreprise fait de l'installation, comme celle-là là, et du dépannage. Et donc la première fois que je suis tombé sur cette installation là, il y a un truc qui m'a choqué. D'ailleurs j'ai envie de poser la question hein, à ceux qui font du montage, euh, quand tu vois cette photo, qu'est-ce qui te choque Parce que là on est sur une installation qui coûte euh, cher, je pense qu'on est entre 15 et 20 000 euros, parce que tout a été remplacé là. Probablement qu'avant il devait y avoir une chaudière au fuel. Ils ont tout remplacé, donc là ils ont mis une pompe à chaleur là, on voit là les tubes frigorifiques, donc ça c'est une unité intérieure. Là on voit la bouteille de mélange et là on voit ici là donc les deux thermomètres, donc ça c'est parce que ce module, dans il y a une pompe, et là, on voit sur des panneaux solaires. Donc là, on est sur une installation de solaire thermique. Donc là, on est probablement sur un chantier à 15 à euros, facile. Parce qu'on voit déjà le matos là. C'est une EcoDan. Donc ça vaut quelques sous. Si tu marques EcoDan sur Google, bah tu tombes euh, sur les pompes à chaleur là. Donc tu vois déjà les prix là, 10 000 euros. Donc ça, c'est les prix publics. Donc tu vois qu'on est sur du matos qui coûte pas 1000 euros. Hein. On est sur du matos haut de gamme. D'ailleurs, là, je suis sur le site Mitsubishi Electric. Là. donc là, ça serait l'unité extérieure. Là, on voit l'unité intérieure. Ça ressemble. Donc, c'est bien ça. Hein. Donc, on est sur de la machine, euh, j'ai envie de dire, haut de gamme. Donc, quand tu poses une machine haut de gamme, et donc, j'ai envie de dire qu'il y a un minimum de respect à avoir lorsque tu fais l'installation. Donc, moi, déjà, la première chose qui m'a choqué, mais vraiment, alors, ça, c'est parce que je suis électricien à la base. La première chose qui m'a choqué, en plus, je suis frigoriste, c'est ça là. ça, là. là. je zoome, là. Donc, quand tu fais de l'électricité, en tout cas, si tu électricien et si tu fais de l'électricité industrielle, il y a quand même une règle de base c'est que tout ce qui se voit doit être propre, symétrique. Par exemple, quand on voit un câble qui sort comme ça, là, attaché avec des colsonnes euh, sur les tubes, là. bon, ça, c'est pas possible, ça. Dans le milieu professionnel industriel, ça, c'est dégueulasse. C'est pareil, là, là t'as un fil volant, là. Il vole. Il a rattaché à rien. On n'a qu'un conducteur comme ça, là, toi avec moi, il aurait fallu le faire passer dans un tube IRL. Tu fais ça en milieu industriel, sauf si c'est une usine... Euh, j'ai envie de dire qu'il va fermer, mais tu fais un truc comme ça. Bon, euh, suivant le chef de chantier que tu vas avoir ou le chef d'équipe, tu vas te faire agresser. Là. Le mec, il va te demander si t'es vraiment un électricien, parce que ça, c'est pas euh, du travail d'électricien, ça. Ça, c'est du travail qu'un particulier aurait pu faire. Ça, ok, c'est un particulier, il comprend pas tout. Il a tiré ses câbles, ça fonctionne. Voilà. Mais ça, pour un professionnel, c'est pas possible. Bon, deuxièmement, au niveau du circuit frigorifique, euh, faire passer le tube là, en volant comme ça, là. C'est-à-dire que là, le tube, il suit pas le mur, là. Là, tu peux y mettre deux ficelles, un bâton. Est un perchoir à moineau. Donc, ça, c'est pas possible. Surtout sur une machine à plus de 10 000 euros. Donc, là, ce qu'il aurait fallu faire, c'est cintrer. Cintrer, et ce qu'il aurait fallu faire, c'est mettre une goulotte pour cacher ce tube. En tout cas, faire quelque chose de bien symétrique, de faire quelque chose de propre. On le voit, les scotch, ils se décollent. C'est dégueulasse. Ça. Parce que là, on est dans un garage. Donc, ça veut dire que le gars qui va à sa bagnole tous les matins, ou s'il va chercher ses boîtes de conserve dans son garage, là, et bien tous les jours, il va voir ça. Voilà. Moi, personnellement, ça, j'en voudrais pas pour chez moi. C'est pas possible. Deuxièmement, quand tu as du tube pvc comme ça avec des flèches partout là, donc ça, bon ok, pourquoi pas, hein. ça tu peux laisser comme ça si après tu mets un meuble devant, un meuble de cuisine, mais quand c'est en apparent comme ça, ça c'est dégueulasse, ça, ça s'enlève aussi. Après, donc, autre chose qui est choquante, en tout cas si tu électricien, ça c'est pas possible, le câble qui pendouille comme ça là, à l'arrache il est pas fixé, donc ok, là tu as une vieille goulotte, donc, là cette goulotte là il aurait fallu la virer, mettre une goulotte blanche, le grand par exemple, et descendre jusqu'en bas ici. Et après au pire, tu repartais avec un tube IRL, mais là c'est pareil. Là, on voit que c'est des tubes qui ont été récupérés. Ils sont sales. Ils sont sales les tubes. La machine est propre, tout est propre, l'installation est neuve. Les tubes sont sales. Tu ne mets pas des tubes sales dans une installation à 20 000 euros. Là on voit là, ils ont récupéré des tubes. Au lieu de prendre un gros tube, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis deux tubes. Et ils ont mis les câbles neufs là pour faire marcher la machine là. Et là, c'est pareil, c'est dégueulasse. Au lieu de mettre un gros tube, au pire, moi j'aurais mis de là. De là tu mets de la moulure. Là. Ou de la goulotte. Ou alors du ritelex, mais tu mets pas ça. Là, on voit que les tuyaux, là, en gros, ils ont récupéré un ancien tuyau. Et ils ont fixé un autre tuyau sur l'ancien pour que ça tienne, pour que mettre des fixations. Donc ça, c'est dégueulasse. De plus, ça, là. les rayons de cintrage, la symétrie, tout est dégueulasse. Là. Et là, quand tu remontes un petit peu, là, ça, c'est traumatisant à voir ça. C'est dégueu, c'est traumatisant sur une installation qui est neuve. Et faite par un professionnel. Encore, tu es un particulier, tu fais de la merde comme ça. Bon, bah, t'es particulier, c'est gratuit, ce truc qui te fait, pourquoi pas. Mais quand tu vois ça, par contre, euh, non. Et là, tu finis là, la goulotte, là, pareil, là, sur une installation neuve, et eh ben ouais, tu la vires, la goulotte. Je sais pas, t'en remets une neuve. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette installation-là, elle est pas low-cost. C'est-à-dire que l'entreprise qui a fait ça, euh, je pense pas qu'elle ait cassé les prix. Par contre, au niveau marge, euh, ça du bien le faire parce que, euh, à partir du moment où tu fouilles tout en fil volant comme ça à l'arrache, là, bah, c'est sûr que l'électricien qui vient pour tout raccorder, euh, ouais, euh, j'ai envie de dire, euh, si c'est pour faire ça, euh, dans la demi-journée, c'est fait, quoi. Je rajouterai, quand tu as une installation comme ça, tu peux acheter aussi des étiquettes pour mettre sur les tuyaux le sens de circulation du fluide. Pour l'esthétisme et pour le dépannage, la maintenance, c'est quand même plus sympa d'avoir des tuyaux repérés que des trucs comme ça, noirs, on sait pas qui fait quoi, voilà quoi. Ça en dit long sur l'installation. Donc voilà, donc moi ce qui m'intéresse c'est de savoir ceux qui font du montage, si pour eux ça les choque ou pas de voir ça sur une installation neuve et où il y a du pognon parce que là il y a de la thune là en matériel mais c'est vrai qu'en travaillant dans cette entreprise qui fait du particulier j'ai vu qu'un des gros problèmes qu'il y avait hein, dans beaucoup d'installations avec les pompes à chaleur chez les particuliers comme ça là c'est les tubes souvent ils sont passés à l'arrache c'est vraiment dégueulasse quoi alors des fois il y a des tubes ils sont en vide sanitaire donc euh, tu ne les vois jamais voilà parce que ce qui est important là c'est que là on est dans un garage donc la personne verra ça tous les jours alors que là on remarque sur l'ancienne installation là Bon, ça, c'est une installation qui a peut-être, euh, au niveau du tube, qui a peut-être 30 ans. Hein. Ben là, à l'époque, il faisait les jolis coups d'épousement. Là, on le voit aussi. Là, on les voit aussi ici. Et donc, si tu as un installateur qui fait de belles installations, ben j'ai envie de dire, euh, prends-les en photo. Hein. Parce que si un particulier demande des preuves de la qualité de l'installation qu'il aura, donc s'il passe par cette euh, entreprise ou cet artisan, eh bien, euh, je sais pas, mais si l'entreprise qui a fait ces travaux-là me montre une photo, de ça, là Bon, ben, direct, je vais lui dire, euh, euh, moi, gentiment, hein, pour pas pas vexer mais non, merci, hein. c'est pas possible. Hein. C'est pas possible d'avoir euh, du travail de particulier fait par une entreprise, euh, donc, euh, par des professionnels. Parce que si tu veux du travail de particulier, tu prends un particulier, j'ai envie de dire, mais pas un pro. Donc, c'est là où on voit vraiment la différence euh, avec beaucoup d'entreprises, là, qui veulent faire du chantier vite, 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 euh, pour faire un maximum de thunes. Et euh, voilà, donc, après, l'électricien qui a fait ça, peut-être qu'il avait pas le choix. Hein. On lui a dit, c'est ça où tu dégages, hein mais après, bon, si c'est pour faire ça, il vaut mieux changer de boulot. Si dans ton secteur, toutes les entreprises font ça, euh, j'ai même envie de dire, il vaut mieux se mettre à son compte. Parce que là, un artisan qui travaille bien, c'est sûr que lui, euh, bon voilà, quoi. Il aura du boulot à plus quoi en faire. Parce que quand tu vois ça sur des installations où il y a du matériel qui coûte cher, c'est pas possible de voir ça, quoi. Et pourtant, la réalité du terrain montre que ce genre d'installation-là, ça devient la norme. Chez le particulier. Donc voilà. Donc pour le dépannage. Moi je suis intervenu parce que le client ne pouvait plus remplir son installation qui était neuve, il manquait déjà de l'eau. Et donc, euh, pourquoi il ne pouvait plus remplir Parce que son disconnecteur était déjà pété. Et en plus, il était cassé au mauvais endroit. Et on va voir ça maintenant. On mmh. voit que c'est fissuré là. Donc on peut plus remplir. Merci. Alors, sur cette photo, un gros plan sur le disconnecteur. Donc, là, les vannes sont fermées et on peut voir sur le disconnecteur la petite flèche avec le sens de circulation du fluide qui va donc ici, de la droite vers la gauche. Donc, la fuite se situe au niveau de l'entrée du disconnecteur. Alors, sur cette photo, on peut voir que c'est un disconnecteur CAA9CDN15. On a même la référence hein. 115. Pn10 TSM 65 Celsius. et euh, là où il y a la flèche on peut percevoir la fissure donc il est probable que la personne ait mis trop de filasse parce que faut pas oublier que c'est du laiton et le laiton c'est mou c'est fragile donc si tu mets trop de filasse et que tu sers comme un bourrin et eh bien avec le temps donc l'installation je crois qu'elle a même pas un an et eh bien ça fend le laiton donc là en plus on est sur l'alimentation en eau donc heureusement que l'arrivée d'eau était fermée hein. Pourquoi Parce que tu laisses l'arrivée d'eau ouverte, ça se fend pendant que tu n'es pas là. Bon, après, tu reviens chez toi, tu as un méga dégât des eaux. Donc oui, quand tu serres un, un raccord en laiton comme ça, donc oui, tu peux mettre de la filasse. Et donc, quand tu mets de la filasse, eh bien, il faut pas en mettre trop, parce que si tu mets trop, eh bien, voilà ce qui arrive. Tu éclates le raccord en laiton. Donc, ça prend un peu de temps, mais euh, ça se fissure et ça casse. À la limite, il aurait dû mettre du téflon. Il n'y aurait pas eu ce souci-là. Donc là sur cette photo, ben, j'ai enlevé le disconnecteur et on peut voir comment c'est fait à l'intérieur. Donc sur cette photo là, ben, on peut voir qu'on est au niveau de l'entrée hein, parce que là on peut voir qu'il y a un tamis, une crépine pour éviter que des saloperies qui viendraient du réseau public comme par exemple des petits cailloux, des petits graviers ben, viennent bloquer les soupapes du disconnecteur. Donc ça c'est un disconnecteur simple, hein, il n'est pas contrôlable. Donc là on peut voir la partie sous le disconnecteur, donc c'est la partie où l'eau sera évacuée. Lorsque le disconnecteur s'ouvre, ou en tout cas lorsqu'il y a un problème, ça va à l'égout. Donc sur cette photo, on peut voir le disconnecteur enlevé. Hein. Donc là, on voit que le disconnecteur a été, euh, il fonctionne, hein, c'est le raccord qui a fendu. Comme on peut le voir très bien sur cette photo, là, on le voit bien ici, là, comment c'est fendu, là. Donc euh, ce qu'il faut changer, là, bah, c'est toute la partie raccordement du disconnecteur. Sauf que ça, c'est du raccordement spécifique au disconnecteur. Donc pour changer ça, eh bien, il faut aller chez le fournisseur, acheter. Un Disconnecteur neuf, donc là j'ai enlevé donc la pièce. On peut voir la fente ici, là tout le long du raccord, et on peut voir la filasse qu'il y avait avant. Donc, donc là, il y avait vraiment trop de filasse. Autant quand c'est de l'acier, tu peux mettre autant de filasse que tu veux. Hein. L'acier va pas se fendre, hein. c'est gaillard. L'acier, mais avec le laiton, euh, voilà ce qui arrive quand tu mets trop de filasse, tu exploses le raccord. Là, j'ai fait un zoom sur la fissure, on peut voir que c'est sur toute la longueur. Hein. Et oui, le laiton c'est mou, c'est pas de l'acier le laiton. Donc là, bah, pour avoir ces pièces-là, bah, j'ai été obligé d'acheter un disconnecteur. Hein. Donc disconnecteur hydraulique type CAA9C. Donc de chez Watts, hein, c'est ce qu'il y avait chez le fournisseur. Donc là, je lui ai mis le 9. Donc voilà l'ensemble qu'il y a dans la boîte du disconnecteur. Donc un petit zoom sur la référence qu'il y a dessus. Et donc là je l'ai remonté et on peut voir que j'ai rouvert la vanne d'alimentation en eau Et on voit que ça ne pisse pas Donc j'ai remis de la filasse avec de la pâte verte De la pâte à joint verte pour accord et c'est du jeb à tout De jeb Par contre j'en ai mis moins que le monteur Donc là ça devrait pas fendre Donc après que le remplissage a été effectué il faut toujours fermer les vannes à mon aval D'ailleurs ce qui est bien sur cette installation là c'est qu'ils ont mis une vanne Aval, souvent là pour faire des économies de bout de chandelle, t'as qu'une vanne à l'alimentation, puis sur ce côté-là il n'y a pas de vanne. Donc ça déjà c'est bien. D'ailleurs c'est j'ai envie de dire obligatoire parce que pour le dépannage, la maintenance, c'est bien d'avoir deux vannes. Donc voilà le résultat fini. Hein. Et voilà. C'est une intervention assez facile. Le seul truc qui est difficile, c'est que il faut des clés à molette. Euh, Beaucoup plus pâte que ça, parce que quand tu veux te mettre ici là, quand tu veux serrer, tu peux plus. Parce que si tu serres ici là, si tu tiens ici, ici tu utilises là, ici là cette partie là, ça m'est déjà arrivé là. Cette partie là de la vanne là, elle peut, elle peut péter, elle peut se desserrer. Donc là, comme je suis chez un particulier, il faut faire très attention, car là c'est l'hiver et il a besoin de son chauffage. Et donc voilà pour cette vidéo.